on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo assez courte sur un haul spécial bébé. Des petits articles qui me faisaient envie, des petits articles qui me faisaient plaisir chez Kiabi et chez Ziman. Et Kiabi, j'y allais surtout pour acheter des chaussettes. Donc je vous montre tout ça, ce sera hyper rapide. C'est les derniers achats avant l'arrivée de bébé puisque elle est censée arriver le 24 août. Donc je peaufine un petit peu ma liste de naissance, les affaires que je vais emmener à la maternité, une belle petite tenue pour sortir de la maternité et les chaussettes qu'il me manquait. Donc c'est parti, je vous montre ça. On commence par Kiabi. Donc j'ai gardé le ticket, ça va me permettre de vous donner les prix, mais tout est indiqué dessus de toute façon. Donc en premier je me suis pris des chaussettes donc en taille 14 pour les premiers temps, c'est les plus petites tailles qui existent chez Kiabi. Et j'ai pris deux petits lots de 3 comme ceci, elles sont vraiment trop mignonnes, donc je vais vous en montrer qu'un. Chaque lot m'a coûté 5 €, donc ce sont des petites chaussettes vraiment toutes moumoutées, rembourrées. Elles sont vraiment hyper mignonnes. Donc vous avez dans chaque lot une paire de beige, une paire de beige un peu plus rosée et une paire de taupe. Elles sont trop belles. Et voilà, dans des teintes hyper naturelles comme ça, ça va s'associer avec beaucoup des tenues que j'ai pour bébé. Ça, les premiers temps, du coup, comme ils ont du mal à réguler leur température, c'est bien de leur mettre des chaussettes bien chaudes. Ensuite, je me suis repris deux petits lots. Donc là, ça va me faire 12 paires en tout. Je pense que j'aurai largement assez pour tourner et faire mes petits roulements dans mes lessives. J'ai pris deux petits lots de blanches, toutes simples. Donc elles coûtaient 4 € chaque lot. Donc, encore une fois, je vais vous en montrer qu'un. Elles sont un petit peu plus fines, mais elles sont tout aussi mignonnes, un petit peu côtelées. Voilà, je les trouvais vraiment trop belles. Donc Kiabi, c'était la facilité pour acheter mes chaussettes de bébé. Et écoutez, j'ai trouvé mon bonheur, donc je suis ravie. Ensuite, j'ai craqué pour un petit article en solde. Donc c'est une petite combi. J'ai trouvé ça vraiment adorable. Donc je l'ai pris en 3 mois. Ça coûtait 10 €. J'avais moins 50% dessus, 5 €. Et vous aviez en plus 20% supplémentaire. Je crois que je l'ai payé 4 €. J'ai le ticket, donc je vais pouvoir vous dire. Je l'ai payé 4 €, donc ça m'a bien convenu. C'est pas une robe, c'est une petite combi short comme ceci. Donc c'est vraiment trop mignon. Avec des petits volants sur les épaules. Et le motif, voilà. Le motif se présente comme ceci, rouge avec des petites fleurs blanches. Donc vous avez les petites pressions dans le dos, un peu comme un body. Et ils appellent ça un dorbien chez Kiabi. Je connaissais pas ce terme, mais ça s'appelle comme ça. Je l'ai pris en 3 mois, je pense qu'elle sera très bien là-dedans. On nous annonce un gros bébé, donc je pense que j'ai tapé juste dans la taille. Et puis au pire, si elle est un petit peu ample, un petit peu large, c'est pas grave. Donc ça, ce sera plus pour la maison, parce qu'à la maternité, on va prévoir des choses un petit peu plus longues. Manches longues, jambes longues et un petit peu plus chaudes. Parce que voilà, les premiers temps, c'est un peu compliqué au niveau des températures. Donc ça, ce sera plus pour la maison. Et ensuite, chez Kiabi, j'ai pris deux petits ensembles. C'est exactement les mêmes, mais pas dans les mêmes coloris bien sûr. Donc j'ai tout pris aussi en 3 mois et chaque ensemble m'a coûté 9 €. Donc dans chaque ensemble vous avez le petit haut qui est un petit peu dans un tissu côtelé. Donc ça c'est hyper confortable parce que c'est bien élastique. Vous avez la petite dentelle au niveau du col et avec des petites marguerites blanches comme ça, elles sont trop belles. Et dans ce kit là, dans ce lot là, vous avez le petit legging pareil côtelé. Mais couleur un petit peu terracotta bordeaux. Donc j'ai adoré l'association des deux. Et les couleurs sont trop belles. Et en fait le centre de la petite fleur est de la même couleur que le legging. Donc ça fait un petit rappel et je trouve ça vraiment adorable. Donc je pense que bébé il sera hyper confortable dedans. Et le deuxième ensemble toujours en 3 mois et toujours à 9 €. C'est cette fois-ci donc un petit t-shirt toujours. Vous avez toujours la petite dentelle au niveau du col. Et donc là il y a marqué la vie est jolie. Donc c'est un t-shirt à manches longues blanches toute simple, qui est pareil dans un tissu côtelé, donc hyper confortable. Et là j'ai craqué sur le legging qui est un petit peu verdeau, je le trouve vraiment trop beau. Et voilà, il a plein de petites feuilles comme ça, je trouve ça adorable. Donc dans cet ensemble là c'est le haut qui est à motif, et dans cet ensemble là c'est le bas. Voilà, j'aime bien ne pas accumuler trop les motifs. Quand le haut est à motif, j'aime bien que le bas soit uni. Et vice versa, comme ça, ça équilibre un petit peu au niveau du visuel. Et on évite d'avoir trop d'infos dans les vêtements de bébé. Donc voilà, deux petits ensembles qui m'ont fait craquer chez Kiabi. J'étais trop contente de trouver tout ça. Et on va maintenant passer chez Ziman. Ziman, c'est vraiment une mine d'or pour moi. J'adore tout ce qu'ils font. Bon, il y a des choses qui sont un petit peu à trier parce que les motifs sont pas toujours sans sas. Mais franchement, il y a vraiment des très belles choses. Et ce que j'ai choisi, selon moi, en est la preuve. Bien sûr, c'est en fonction de mes goûts. Donc en premier, je suis partie avec un sac parce qu'il était vraiment trop beau. Il m'a coûté 3,49 €. Je sais pas quel genre d'animal c'est. On dirait un espèce de dodo, un oiseau un peu bizarre. Je sais même pas si c'est un oiseau qui existe ou si c'est un oiseau imaginaire. Mais j'ai adoré ce sac, ce tote bag. Ça pour emballer aussi après, plus tard, les affaires de bébé ou les jouets quand on va chez papy, mamie et tout ça. Ce sera hyper pratique. Ce qui est bien chez Ziman, c'est qu'il y a aussi tous les prix sur les articles. Donc en premier, pour 5,99 €, je me suis pris un petit pyjama combinaison 62 de 4 mois. Je pense que ce sera parfait pour la taille et le poids de bébé qu'on nous annonce. Donc c'est un espèce de petit tissu. Là, c'est pas côtelé, c'est plus gaufré, j'ai envie de dire, mais hyper doux et hyper confortable, je pense, avec des petites cerises. La cerise n'est pas rouge comme on a l'habitude de la voir, elle est plus jaune ocre et je trouve ça vraiment trop beau. J'ai adoré ce motif et vous allez voir que je l'ai acheté dans une autre pièce juste après. Donc voilà, un petit pyjama comme ça avec des pressions tout le long.
Je pense que bébé va être trop bien là-dedans et je l'ai trouvé trop trop beau. Beige, c'est tout ce que j'aime, avec des petits fruits hyper discrets. Pareil, c'est tout ce que j'aime, je suis trop contente. Et donc ça, je vous ai dit 5,99€ chez Zeeman. On va rester dans ce motif, je me suis retrouvée deux autres pièces avec les mêmes petites cerises. Donc là, j'ai pris un body à manches longues. Donc un de moi, je l'ai pris celui-là en taille 56. Celui-là, j'aimerais bien qu'elle le mette à la maternité, qu'elle nage pas trop dedans. Donc ça m'a coûté 3,49€, franchement, c'était vraiment vraiment pas cher. Donc vous avez le petit élastique à la manche qui fait une petite manche un peu froncée. C'est un body tout ce qu'il y a de plus classique. Il a les manches longues, donc pour la maternité et pour les premiers jours de vie, c'est parfait. Et tout le détail se situe dans le col. Vous avez les mêmes petites cerises qu'il y a sur le pyjama, avec les petites boules ocre. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Je l'ai trouvé magnifique avec le petit col trop mignon. Et pour aller avec, je me suis pris un espèce de petite culotte assez adorable à enfiler par-dessus le body. Alors ça, c'est pas vraiment utile, c'est juste de la décoration, j'ai envie de dire, sur un bébé, parce que il pourrait rester en body avec les jambes à l'air. Parce que là, ça vient pas non plus couvrir les jambes puisque c'est court. Mais j'ai adoré, adoré le motif encore une fois. Donc c'est les mêmes petites cerises, toujours avec les petites boules ocre. Trop trop mignon. Et ça m'a coûté 2,49€. C'est pour ça que j'ai pas pu résister. Associé à ça, avec les mêmes petites cerises sur la petite culotte et sur le col, je trouve ça trop trop beau. Ensuite, j'ai craqué pour un autre pyjama combinaison. Ça, c'est un motif que j'adore chez Zeeman, que j'ai déjà acheté une fois. Je m'étais acheté la housse de matelas allongé dans le même tissu. Donc ça m'a coûté 6,99€. Je l'ai pris en taille 2, 4 mois. Donc en taille 62. Et voilà, c'est un espèce de petit pyjama comme ceci avec les papates à l'air. C'est pas un pyjama avec les pieds recouverts. Là, ils sont découverts les pieds. Et vous avez le petit bonnet qui est vendu avec. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et ce motif, moi, il me fait complètement craquer chez Zeeman. Je le trouve trop beau. Donc ça, c'est la nouvelle collection. C'est en ce moment chez Zeeman. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à y aller. Et donc voilà, 7€ pour un beau pyjama avec le petit bonnet. Je trouve ça vraiment raisonnable. Encore une fois, le tissu est un peu côtelé. Donc parfait pour tout ce qui est se sentir à l'aise dans ses vêtements et pour le confort. Donc trop trop bien. Et toujours dans la même collection, nouvelle collection qui vient d'arriver, je me suis pris deux langes. Parce que c'est des choses qui me manquent, je pense, dans ma collection. J'ai fait un petit peu le topo et un petit peu la revue de ce que j'avais. Et c'est quelque chose qui me manque. Et surtout, ceux-là sont bien bien grands. Donc pour ce qui est de l'allaitement, je pense que ce sera parfait pour se recouvrir et un petit peu intimiser ce moment de l'allaitement. Donc chaque linge fait 1m10 par 1m10, donc ils sont vraiment très grands et ils m'ont coûté 5€ chacun. Et donc voilà, ça c'est la même collection que le pyjama et que les housses de matelas allongées que j'avais déjà achetées. Donc j'ai une housse de matelas allongée dans le même tissu comme ceci, un petit peu terracotta, et dans le même tissu un peu comme ça écru avec les espèces de petits glands. C'est pas les langes les plus doux que j'ai pu toucher, par contre ils sont quand même doux par rapport à d'autres qui sont très très rêches et que je n'achèterai pas. Là ils sont quand même assez doux, donc ils vont passer au lavage et ils vont s'adoucir encore plus avec le temps. Donc trop mignon, je suis trop contente. Deux petits langes pour l'allaitement, c'est trop trop bien. Et donc voilà ce qui conclut mes achats chez Zeeman et chez Kiabi. J'espère que cette petite vidéo rapide de dernière minute, derniers achats pour bébé vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.